Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais jouer à un jeu que j'ai découvert hier soir sur Steam. Donc, un jeu qui est sorti le 12 juin 2020. Donc, Unfortunate Spaceman. Donc, on va le découvrir ensemble. Je ne sais pas du tout. Peut-être commencer par la story. Pour voir comment ça marche. Alors on va essayer de rejoindre une partie s'il y en a. Donc là, par exemple, hein. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je n'ai pas vu de tutoriel ni rien. Ah voilà, Spaceman tutoriel. Bon, on va peut-être faire ça d'abord, hein. Alors c'est parti, on va se lancer sur le mode story. On a fait vite fait pour voir comment ça allait fonctionner. Donc on va lancer, hein. Alors, écoute, des nanobots médicinales. Ah, intéressant. Alors on récupère ça plus rapidement. Ouais, bah, oui, carrément. De toute façon, on va prendre les trois, parce que c'est les trois qu'on a de base. Mais dis donc. Voilà.
D'accord, et ben c'est parti. D'accord. On va prendre un peu au hasard, hein. Voilà. Niveau weapon, c'est bon. Ça a l'air bon. Voilà, c'est parti. Alors, c'est un jeu qui est un peu complexe sur le principe. Pour pouvoir lancer une partie, c'est déjà complexe. À voir maintenant comment c'est in-game. The planet is mostly oxygen rich, so you don't need to worry about breathing. The shipping facility is crawling with Krumarians. If it doesn't have the human number of legs, just shoot it. Head on into the facility. Probably look for a switch or something. I see the gate is open now. Flashlights on, boys. The whole place should be in pretty heavy lockdown, so you're going to have to move through in a less conventional manner. I've got our top intelligence guy, Steve, with me here. He's going to help you find a way over that containment barrier. In the meantime, Ouais, donc on est sur un petit survival horror. you may have to go off the beaten path to find them. D'accord. Juste pour s'assurer qu'elle est morte, hein. Alors par contre, on a des pouvoirs, mais comment... C'est quoi ces bruits? D'accord. Oh putain. Oh. C'est bon, elle est morte. Elle est morte, la bestiole, c'est bon. Alors, je sais même pas où on doit aller. Parce que je n'ai pas de map. Alors, on va essayer par ici, hein. Oh là là. Ah mais d'accord.
Oh. Ah, c'était pas par là. Oh merde. Alors, c'est pas si simple que ça en a l'air. Ah, ça y est, la porte s'est ouverte. Ça fait penser un petit peu à Starship Trooper au niveau du des monstres. Alors ouais, c'est un jeu, je pense, qui peut être très intéressant, mais peut-être à jouer en coopération avec tes amis ou... Ça pourrait être, je pense, beaucoup plus intéressant. Alors, ne pas bouger jusqu'à ce qu'elle soit ouverte. Jusque-là, c'est pas trop compliqué parce qu'il n'y a pas non plus énormément de vagues d'ennemis. Ouf. C'est la même chose.
Ça devient vite ingérable en fait. Alors bien sûr, on a des points de vie qui donc possible pour en récupérer. Je ne les prends pas consciemment et volontairement, car comme c'est la première fois que je joue à ce jeu, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer quand on meurt. Alors quand on a les vagues d'ennemis, c'est pas très complexe, hein, franchement. Ça va. Mais je pense que c'est adapté aussi au nombre de joueurs possible. Parce que plus il doit y avoir de joueurs, plus il va y avoir de monstres. On a toujours pas la map, hein. Merci. Wow, c'est quoi ça? Ah, c'était une belle surprise que cette espèce de monstre. Non, je me suis fait attaquer, ok. Ok, donc là, si j'ai bien compris, on va devoir la prendre pour la faire exploser.
Si je comprends bien, c'est un de leurs œufs. Find your way through the office hallways and up to the rooftop for evacuation. Don't forget to bring that research sample with you. That thing is more important than you are. Only joking. More important than Steve, though. Steve knows this. Don't give me those eyes. We've talked about this before. You know your place. Oh dear. Oh. It's telling me that the damage to the structure looks. Bon ben voilà. Donc on meurt uniquement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit let's play sur ce nouveau jeu. Donc qui était une sorte de survival horror. Je me suis bien éclaté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao !